Mercredi 1er septembre, le prince Harry a remis le hard GQD héros de l'année aux scientifiques d'Oxford à qui l'on doit le développement du vaccin suédo-britannique AstraZeneca. C'était l'apparition surprise de la soirée. Mercredi 1er septembre, le prince Harry a pris la parole depuis son domicile californien dans le cadre de la cérémonie des British Ecumen of Year Awards 2021, tenue au musée Tate Modern de Londres. Dans un élégant costume en velours noir, l'époux de Meghan Markle a décerné le prix des héros de l'année à l'équipe oxfordienne à l'origine du développement du vaccin suédo-britannique AstraZeneca, qu'il a tenu à féliciter dans un touchant discours. Je suis profondément honoré de vous présenter nos derniers primés, que vous reconnaîtrez immédiatement grâce à leur incroyable contribution au combat contre le Covid-19, a déclaré le duc de Sussex en duplex. Leurs recherches capitales sur le vaccin d'Oxford ont offert au monde l'un de nos outils les plus essentiels dans la course à l'équité vaccinale. Tant que toutes les communautés n'auront pas accès au vaccin, tant que toutes les communautés ne bénéficieront pas d'informations sur le vaccin, nous serons tous en danger. C'est un refrain que ma femme et moi avons entendu en échangeant avec les experts, chefs d'industrie, défenseurs de communautés et leaders mondiaux, a-t-il ajouté. Le prince Harry alerte sur la désinformation dans son discours, le prince Harry a également évoqué le dangereux scepticisme à l'égard du vaccin, accusant les médias et réseaux sociaux de colporter des mensonges au point de créer une hésitation à l'égard du vaccin et de diviser les communautés. C'est un système qu'il nous faut briser pour vaincre le Covid-19 et la montée des nouveaux variants. L'équipe d'Oxford a fait sa part du travail. Ce sont des héros qui nous ont donné un instrument pour combattre cette maladie. Ils sont la fierté de notre nation, et nous avons une dette envers eux. L'Ordre des Heroes of the Year a ainsi été décerné à la vaccinologue britannique Sarah Gilbert, à la biologiste Catherine Green et à toute l'équipe de l'Université d'Oxford ayant travaillé sur le développement du vaccin. Ed Sheeran, Anthony Hopkins, Quentin Tarantino et Reggae Jean Page figurent également parmi la liste des gagnants de la cérémonie.